Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette web conférence dédiée à la présentation du label bas carbone, un référentiel national français de labellisation des projets de compensation locale. Je suis Renaud Bétain. Donc, j'ai pendant de nombreuses années, plus de 8 ans, travaillé au sein de l'ONG GERES, qui travaille dans la solidarité internationale, qui s'est intéressée au financement de certains de ces projets via la finance carbone et la compensation, qui a apporté le projet de compensation carbone historique français, le premier projet historique qui s'appelle CO2 Solidaire. Et j'ai pu identifier un besoin de diffusion de bonnes pratiques et de pédagogie sur la compensation. Et j'ai donc initié la plateforme Info Compensation Carbone, qui est aujourd'hui toujours portée par le GRS. Et ces formations sont actuellement externalisées au bureau d'études Carbone 4. Voilà, donc aujourd'hui, moi, je ne travaille plus pour le GRS et je travaille pour Carbone 4 et j'y développe des activités de neutralité carbone. N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations sur ces activités-là. Un grand merci au réseau Agrion qui a accepté d'organiser cette web conférence. Écoutez, j'espère que vous m'entendez bien. Et c'est parti. Info Compensation Carbone, donc je vous l'ai dit, est un projet porté par le GRS. Il est cofinancé par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Ce centre de ressources existe depuis 2015. Son objectif est vraiment d'apporter une information neutre sur la compensation carbone au travers d'un site web, au travers d'un guide d'aide en ligne de la compensation. Il y a une page de publication, il y a un état des lieux qui est fait chaque année. Le prochain sur l'année 2016 sortira dans quelques jours. Des schémas pédagogiques, des infographies, des vidéos. Tout est à disposition. Servez-vous et utilisez comme bon vous semble ces supports pédagogiques. Aujourd'hui en France, vous avez 8 opérateurs de compensation carbone, donc qui revendent des crédits. En 2016, plus de 3 millions de tonnes de CO2 ont été compensées, qui représentent un volume d'environ 10 millions. Le prix moyen de la tonne de ces crédits carbone tourne autour de 3 euros, 3,50 euros, 3,37 précisément, pour la simple et bonne raison que les gros volumes sont achetés, notamment aujourd'hui, vous avez en France sur ces 3 millions, vous avez 1 million et demi de tonnes qui sont achetées par la branche services et colis, courrier colis de La Poste, à prix relativement bas. Je considère moi aujourd'hui qu'un crédit carbone autour de 20 euros peut refléter des co-bénéfices, c'est-à-dire des bénéfices pour la biodiversité, l'amélioration des conditions de vie des populations, le développement d'emplois locaux, etc. Donc c'est pour ça qu'on a un prix aussi bas. Sinon, sur des plus petits volumes, on tourne quand même autour de 20 euros la tonne. 95% de ce volume, c'est le fait d'entreprise. Vous avez quelques événements qui ont compensé. En 2016, on a la COP21 qui a compensé. Quelques collectivités et administrations publiques. Très peu, très 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 peu de particuliers. C'est relativement dommage et je pense que c'est un acheteur de la compensation qui est à développer encore plus avec des projets franco-français. I4C a mené une étude de la demande en compensation carbone. La principale conclusion est que les utilisateurs de la compensation souhaitent compenser sur le territoire français, aux compensations locales, mais elles ne sont pas forcément prêtes à mettre le prix sur l'achat de ces crédits carbone-là. Je précise que le prix du crédit carbone est défini selon le coût de revient du crédit. Vous avez un projet à 100 000 euros.
S'il vous manque 20 000 euros pour compenser, pour financer ce projet-là et que vous avez 2 000 tonnes de CO2 évitées, le coût de revient sera de 10 euros. L'autre façon de définir un prix, c'est l'acheteur qui voudra bien vous payer ce prix-là, hein. Et enfin, la troisième façon de définir un prix, c'est de faire un pricing, ce qui est quelque chose qui se fait très peu, une monétisation de ces co-bénéfices dont je parlais pour vendre au mieux ce crédit carbone. La compensation carbone, elle nous vient du protocole de Kyoto. Je suis obligé de repasser par cette case-là de contextualisation, hein, pour savoir pourquoi on a aujourd'hui un label bas carbone en France en développement. Le protocole de Kyoto a mis en place un système d'échange de quotas d'émissions de CO2. Je rappelle que le quota d'émissions de CO2 est un droit à émettre du CO2. Le crédit carbone généré sur un projet de compensation n'est pas un droit à émettre, il vient annuler une émission résiduelle de l'utilisateur de la compensation, et en l'occurrence des entreprises. Donc sur le marché européen, vous avez à peu près 50% des émissions de gaz à effet de serre de l'Europe qui sont sous couvert du prix du carbone et d'une contrainte carbone. C'est surtout l'industrie lourde, production d'énergie, métallurgie, production de papier, d'aluminium, etc. Le reste, le marché volontaire est complètement déconnecté de ce marché réglementé. Donc, vous n'avez aucune connexion entre le prix de l'EUETS, du marché du carbone européen, et les prix qui se pratiquent sur le marché volontaire. Voilà. Très vite, des acteurs comme des groupes de rock, je pense à Coldplay, la cérémonie des Oscars, la Coupe du Monde de rugby, et aujourd'hui la BNP Paribas ou la Poste ont choisi d'utiliser ce moyen pour compenser leurs émissions de CO2 par l'achat de crédit carbone. C'est ce que vous avez dans la seconde partie de ce schéma, en bas, les deux mécanismes de compensation. Le mécanisme de développement propre qui est une initiative pour développer des projets dans les pays du Sud et favoriser un développement bas carbone dans ces projets, et un mécanisme qui a été peu utilisé et qui est la mise en œuvre conjointe qui permet de développer des projets carbone sur notre territoire. Voilà. Donc ça, c'est l'émergence des projets de compensation nous vient de Kyoto. La compensation, elle est relativement simple. Vous émettez 100 tonnes de CO2, pour vous donner un exemple. Vous allez réduire ces émissions de CO2 sur la base, ce qui serait idéal, ce serait sur la base des méthodologies existantes, type Science Based Target Act ou Facteur 4, en tout cas un budget carbone qui vous dit que sur ces 100 tonnes de CO2, il ne faudrait en émettre que 20. Voilà, donc il faut donc en réduire 80. Les 20 restantes peuvent donc être compensées via l'achat de crédit carbone. Un crédit carbone équivaut à la réduction, l'évitement ou la séquestration d'une tonne de CO2 sur j'ai appelé ça un éco-projet, hein, mais c'est un projet qui évite des émissions de CO2. Cette slide est importante parce qu'il y a plusieurs prix du carbone. On en voit beaucoup, on en entend surtout parler d'un seul. La plupart du temps, c'est celui que vous avez en haut à gauche, hein, dans le cadre de l'ONU. Dans le cadre de l'ONU, vous avez ces marchés, notamment européens, qui vous donnent un prix de marché fluctuant en fonction de l'offre et de la demande. Donc là, c'est bien le quota d'émission de CO2, le droit à émettre du CO2, qui ne regarde pas la plupart des entreprises qui font de la compensation volontaire. Ensuite, vous avez le prix du crédit carbone cadré par l'ONU, toujours, avec le tampon MDP, mécanisme de développement propre ou mise en œuvre conjointe. Ici, vous avez aussi un prix de marché qui est défini en fonction de l'offre et de la demande. Un prix aujourd'hui qui est au ras des pâquerettes, c'est-à-dire 20 centimes d'euros, puisque ce type de projet-là est en désuétude, notamment du fait de la mise en application actuellement de l'accord de Paris, et du fait que la plupart des acheteurs de ces crédits-là en ont acheté bien assez avant et n'en achètent plus aujourd'hui.
Ensuite, vous avez hors cadre de l'ONU, donc vous avez un prix du carbone explicite qui est celui de la taxe carbone, chez nous la contribution climat-énergie, 30,50 € aujourd'hui en France. Et ce qui nous intéresse le plus dans le cadre du label bas carbone, c'est-à-dire les crédits carbone volontaires, qui eux n'ont pas de prix de marché, mais dont le prix dépend exclusivement de la typologie des projets qui sont menés. Voilà. Vous avez aujourd'hui, c'est surtout des projets menés au sud, hein, des projets d'agroforesterie qui sont avec un prix élevé autour de 15 €, des cuiseurs améliorés dont vous avez sûrement entendu parler, donc des fours de cuisson qui améliorent. Qui réduisent la combustion de biomasse énergie dans les pays du Sud autour de 10 euros. Vous avez des projets de filtre à eau autour de 7 euros, des projets de méthanisation 8 euros, etc., etc. En France, la mise en œuvre conjointe existe. Elle prend le nom de projet domestique. Le principe est relativement simple. Vous avez un projet non couvert par le marché européen du carbone, donc dans l'agriculture, dans le transport, dans l'élevage, dans la consommation d'énergie, attention, et non la production d'énergie. Vous avez ces projets-là, vous faites valider par l'État en fait votre méthodologie de calcul et votre projet. L'État, donc l'État égale l'autorité, la Direction générale de l'énergie et du climat, la DGEC ou DGEC, valide votre projet. Elle transforme ses quotas d'émissions de CO2 qu'elle n'a pas utilisés et elle vous délivre, hein, si vous êtes porteur de projet domestique, elle vous délivre des crédits carbone de type URE, unité de réduction d'émissions, que vous irez vendre ensuite à des entreprises. Ce mécanisme-là, en fait, a finalement été très peu utilisé en Europe. La France fait partie des gros utilisateurs de ce projet-là. Vous avez la partie européenne là, à l'ouest avec une vingtaine de projets menés en France, contre 3 en Espagne, par exemple, vous le voyez. 20 projets domestiques qui ont délivré près de 10 millions de tonnes équivalent CO2. 10 millions, pardon, de 9,6 millions de crédits carbone dans l'agriculture, donc sur le N2O. Adipic, dans la consommation d'énergie, dans l'élevage et dans l'industrie, et dans, par exemple, la lutte contre les fuites de gaz frigorigène. Ces projets-là, extrêmement peu visibles, il en reste aujourd'hui deux qui sont visibles et qui génèrent des unités de réduction d'émissions. Le projet Écométhane de Bleu-Blanc-Cœur, qui ne dispose aujourd'hui que, je dirais, de quelques centaines de tonnes, de centaines de crédits carbone à vendre. Et l'autre projet est le projet Compte CO2. Vous pouvez aller sur le site. Voilà un projet expérimental sur les foyers fiscaux et sur la réduction des particuliers de leurs émissions. Tout ça pour vous dire que la seule voie aujourd'hui digne de ce nom, alors digne de ce nom, j'entends certifiant de réelles réductions d'émissions par rapport à un scénario de référence validé. Et faisant l'objet d'une vraie additionnalité. Je reviendrai sur ces deux termes extrêmement importants. La seule voie existante était celle des projets domestiques, donc de l'ONU, qui n'était pas suffisante puisque trop cher, les prix d'accès à la finance carbone en général et les prix d'accès à la labellisation des projets de compensation sont extrêmement rédhibitoires. Le dépôt de méthodologie est extrêmement compliqué. Vous aviez un temps relativement long sur l'enregistrement de ces projets-là. Et donc, il nous manquait une voie en France pour que les acteurs qui souhaitaient compenser sur le territoire français puissent le faire de façon relativement, je dirais, honnête et robuste. Sur cette chaîne de la compensation, vous avez les développeurs et porteurs de projets. Vous avez les clients finaux de la compensation, les utilisateurs, les acheteurs des crédits. Entre les deux, vous avez des opérateurs de compensation. Je vous ai dit aujourd'hui, vous en avez 8, hein, on peut les citer. Vous avez EcoAct, Pure Projet, CO2 Solidaire, Action Carbone Solidaire, Good Planet. Vous avez EcoDev qui doit aussi vendre des crédits carbone. WeNow qui a
qui proposent des boîtiers embarqués dans les voitures. Voilà. Donc, vous avez quelques opérateurs. Vous avez des courtiers, hein, des brokers qui interviennent aussi. Et puis, vous avez une myriade d'acteurs autour de cette chaîne, hein, les labels carbone qui garantissent la qualité des réductions d'émissions. Dans les pays du Sud, pour les projets qui sont menés dans les pays du Sud, les deux principaux labels sont le Gold Standard et le VCS pour Verified Carbon Standard. Vous avez des consultants carbone donc, qui connaissent les méthodologies et qui peuvent vous accompagner sur le développement méthodologique des projets et leur enregistrement. Et les auditeurs qui viennent vérifier en fait que les tonnes de CO2 ont bien été évitées sur votre projet. Et enfin, un fonds carbone. Alors, des fonds carbone. Aujourd'hui, vous en avez un en France qui a fait parler de lui récemment, c'est le fonds Livelihoods, qui, dans sa seconde version, puisque c'est une deuxième version qui a été lancée lundi dernier, portée par Danone, Schneider, La Poste et j'en oublie, Voyageurs du Monde, huit entreprises qui visent à mettre 100 millions d'euros dans ce projet, dans ce fonds, pour générer des crédits carbone. A priori, pour ne pas être revendu, mais pour l'utilisation des entreprises qui ont soutenu ce fonds. Comment utiliser la compensation? Donc, pour une entreprise, je vous laisse voir hein, sur son fonctionnement, compenser la plupart du temps les émissions de ses transports aériens, c'est ce qu'il y a de plus facile. Compenser ses émissions et valoriser des réductions d'émissions sur sa propre chaîne de valeur. On parle ici de l'insetting. Je vous renvoie à une plateforme, l'IPI, portée par Pure Projet, et qui regroupe bon nombre d'acteurs comme le groupe Accor, Nespresso, L'Oréal, et j'en oublie, et qui prône justement la compensation carbone sur sa propre chaîne de valeur, ce qui a le mérite de réconcilier la compensation avec l'entreprise, puisque la critique qu'on peut émettre, c'est que finalement, cette compensation, quand elle est menée à travers des projets de foyers améliorés à l'autre bout du monde, elle est souvent déconnectée de l'activité de l'entreprise et c'est relativement dommage. Voilà. Une entreprise peut développer une gamme de produits et de services également neutres en carbone une fois qu'elle a calculé les émissions de ses produits ou ses services. Les événements peuvent compenser, les collectivités peuvent compenser et les particuliers, comme je vous l'ai dit, peuvent compenser. Je vous invite à aller faire un tour sur les différents calculateurs qui existent et qui sont en ligne. On en a beaucoup entendu parler cette semaine du zéro émission nette et de la neutralité carbone en général. Je profite de cette prise de parole pour vous rappeler que la neutralité carbone consiste à calculer ses émissions. Le périmètre de calcul est une question essentielle. Et vous avez les émissions directes et indirectes, scope 1 et 2, et évidemment le scope 3 qui émet le plus. Donc ça, c'est une question à se poser. Quel type de périmètre je prends en compte dans cet objectif de neutralité carbone? Ensuite, je réduis ces émissions-là en y intégrant, si possible, je dirais les recommandations scientifiques en collant ces réductions d'émissions à la trajectoire de degré. Je vous renvoie une fois de plus au Science Based Target. Et les émissions que je ne peux pas éviter, je les compense avec des labels. Encore une fois, une compensation qui est réalisée sans l'utilisation de réductions d'émissions certifiées n'a aujourd'hui que très peu de valeur, et je dirais même pas du tout, c'est mon rôle de vous le dire aujourd'hui en tant qu'info compensation carbone. Une compensation carbone n'est valable qu'avec l'achat de crédits carbone qui ont suivi un cahier des charges, une méthode dont le projet a été validé et dont les réductions d'émissions ont été auditées. Voilà, ça c'est la vraie compensation. Ce monde de la compensation, il est en mutation. Si on regarde du côté des standards, on a le standard principal, le gold standard qui colle aujourd'hui aux ODD, donc aux objectifs de développement durable des Nations Unies, et qui permet encore une fois de réconcilier la compensation avec finalement une action de solidarité vis-à-vis des populations du Sud, puisque le gold standard certifie la plupart du temps des projets menés dans le Sud. Vous avez le Fair Trade Carbon Standard, donc vous avez du carbone équitable aujourd'hui qui permet de garantir qu'il y ait une valeur de l'achat du crédit qui part directement sur le terrain.
Vous avez une évolution en fait de ces mécanismes à suivre de près via la mise en application de l'accord de Paris et notamment de l'article 6 de l'accord de Paris qui est en train d'esquisser de nouveaux mécanismes de compensation qui ne seront pas complètement nouveaux mais qui seront une suite des mécanismes que l'on connaît. La plateforme de l'insetting, je vous en ai parlé. Et puis dans les modes d'application, vous avez des choses un peu nouvelles. Le compte CO2 pour les particuliers. Vous avez WeNow qui travaille donc justement sur ce boîtier embarqué dans les voitures pour permettre aux utilisateurs de transport de véhicules individuels de compenser directement leurs émissions. Avena vient de se lancer, c'est sur un aspect très territorial. Donc c'est un opérateur corse de compensation. Et donc toutes ces volontés de devenir neutre au carbone. Je rappelle que l'accord de Paris fixe dans son article 4.1 un équilibre à atteindre entre les émissions résiduelles anthropiques et les absorptions des puits de carbone. Et donc ça veut dire que dans la seconde moitié du siècle, le monde devra être neutre en carbone du fait que nous émettons aujourd'hui plus que ce qui nous est permis, on peut imaginer que cette neutralité carbone du monde doit survenir avant 2050. Voilà. Après ces éléments de cadrage et de contextualisation qui, à mon sens, étaient nécessaires à la présentation de ce label bas carbone. Première des choses, donc vous l'aurez compris, le label bas carbone vient répondre à un manque aujourd'hui évident d'une certification, d'une labellisation des réductions d'émissions sur le territoire français, hors voie Kyoto et onusienne. C'est donc un référentiel national de certification carbone. Je vous le dis tout de suite, le référentiel n'est pas disponible. Alors, je l'ai malgré tout sous les yeux ici, puisque je vous en parle, mais le document, le référentiel est en cours de finalisation par la Direction générale de l'énergie et du climat. Le Premier ministre devrait faire valider l'acceptation de ce référentiel par un décret, a priori, soit à la fin du mois, soit en janvier 2018. Je peux donc vous annoncer que dès le premier trimestre 2018, si tout va bien, le référentiel sera officialisé. Et vous avez d'ailleurs une mention de ce label sur le site du ministère. Tout le monde peut présenter une méthode et porter un projet labellisé bas carbone. Donc le schéma est facile. Vous avez un grand référentiel national. En dessous, vous avez bon nombre de méthodologies que vous pouvez, n'importe qui, une entreprise, une association, une collectivité, vous pouvez élaborer une méthode dédiée à un secteur en particulier. Je pense à l'économie circulaire, aux déchets, évidemment à la forêt et à l'agriculture, qui sont les premiers projets qui seront validés qui seront labellisés. Vous pouvez déposer cette méthode et ensuite n'importe qui pourra, sur la base de cette méthode, développer un projet. L'objectif de ce label, c'est de faciliter l'atteinte et de participer finalement à l'atteinte des objectifs climatiques de la France, mobiliser des financements innovants pour le porteur de projet, évidemment. C'est un revenu qui peut être en fonction du prix de revente des réductions d'émissions, un financement non négligeable. Et finalement permettre d'appréhender l'atténuation dans des secteurs diffus qui ne sont pas pris en compte par le marché européen du carbone. Les caractéristiques de ce label. La première des choses, c'est que ce label propose une plus grande flexibilité par rapport au process de certification qui existait avant. Donc, vous avez un principe clé qui est celui du rabais. Le rabais ou abattement vous permet simplement de ne pas avoir une charge de vérification d'audit annuel, mais plutôt de choisir une vérification biannuelle ou voire tous les 3 ans ou voire pas du tout, et dans ce cas-là, en fait, de vous voir appliquer un rabais sur votre réduction d'émissions. Je reviendrai sur ce point. Le volume de réduction d'émissions n'est pas fixe, pas de plancher et pas de plafond. Vous pouvez très bien valider un projet qui va éviter 1 000 tonnes de CO2 comme 50 000.
Les secteurs concernés sont dans un premier temps la forêt et l'agriculture. Vous avez peut-être entendu parler des projets dits vocales, qui sont donc initiés par le Club Carbone de I4C, Institute for Climate Economics, l'ancienne Caisse des dépôts et consignations climat. Donc, ce sont des premiers projets qui sont aujourd'hui pilotes et qui feront a priori hein, l'objet de labellisation. Mais tous les autres secteurs sont aujourd'hui ouverts. Il est possible il sera possible de déposer des méthodes dans tous ces autres secteurs. La production d'énergie, pour l'instant, la DGEC ne veut pas en entendre parler puisqu'elle est notamment couverte par les contraintes du marché carbone européen. Un point très intéressant, c'est que ce label limite les intermédiaires, c'est-à-dire que pour valider votre projet, vous devrez avoir un acheteur de vos réductions d'émissions. Jusque-là, quand vous labellisiez votre projet, finalement, vous vous retrouviez avec vos crédits carbone et le travail était d'aller revendre ces crédits carbone. Je connais de nombreux projets qui sont en difficulté, dont certains qui ont fermé, car ils n'ont pas vendu ces crédits carbone. Donc finalement, cette conditionnalité de la labellisation du projet est intéressante, puisque donc pour que votre projet soit validé, il vous faut un acheteur de réduction d'émissions. Voilà. Donc ça, c'est un point très important et qui doit faciliter, éviter en tout cas le risque que fait peser la non-vente de ces crédits carbone sur le porteur de projet. Des réductions d'émissions empreintes, ça je vais y venir, et une charte qui n'existe pas encore, qui pourrait être signée par les acheteurs de réduction d'émissions, je dirais une charte de bonne pratique signée par les acheteurs des réductions d'émissions. J'en profite, on parle ici, dans le cadre de ce label, de réduction d'émissions et non de crédit carbone. La DGEC y tient beaucoup. Les crédits carbone sont le fait des projets de compensation onusiens. La DGEC tient à ce qu'il y ait une distinction qui soit faite entre les crédits carbone développés dans le cadre de projets notamment menés dans le Sud et les réductions d'émissions certifiées, en tout cas labellisées bas carbone, voilà, qui seront garanties sur le territoire français. Pour développer une méthode, vous avez un canevas. Le référentiel vous propose un canevas, voilà, avec un type de projet, les bénéfices attendus, le porteur de la méthode, les critères d'éligibilité, le scénario de référence, comment vous démontrer l'additionnalité, la méthode d'évaluation, les données qui seront à utiliser, etc., etc. Cette méthode, une fois qu'elle est validée par l'autorité, c'est-à-dire la DGEC, une fois qu'elle est validée, elle est publique et tout le monde peut l'utiliser. Donc, une fois que vous déposez cette méthode auprès de l'autorité a 6 mois pour la valider. Si vous n'avez aucune réponse et donc un silence total de la part de l'autorité, c'est mauvais signe. Ça veut dire que la méthode a été refusée. Donc, a priori, si l'autorité peut revenir vers vous pour vous demander aussi quelques mesures correctives pour que la méthodologie soit effectivement acceptée. Une fois que la méthodologie a été acceptée, n'importe qui, et donc vous, évidemment, vous n'allez pas développer une méthodologie pour le plaisir, quoique, mais a priori, vous développez une méthode pour développer un projet derrière, et donc ce projet, n'importe qui pourra le déposer en se basant sur la méthode. Le premier point, je dirais, le point de départ du projet, c'est la notification à l'autorité. C'est qui en fait vous permet en tant que porteur de projet de communiquer votre intention de bénéficier du label et c'est à partir de ce moment-là, c'est très important, c'est à partir de ce moment-là que vous allez comptabiliser les réductions d'émissions à partir de ce mail en fait. Voilà, donc je vous le dis tout de suite, il n'y a pas encore d'adresse mail, ça va venir, mais c'est à partir de ce moment-là que vous comptabilisez les réductions d'émissions. Il n'y a pas de rétroactivité dans la comptabilité des réductions d'émissions, donc. À partir de 2018, vous pourrez commencer à intégrer des revenus carbone dans votre projet, mais pas sur les réductions d'émissions de 2017. Vous demandez validation d'un document descriptif de projet, qui est en fait le cahier des charges, le tableau de bord finalement de votre projet. Donc là, vous avez là, la,
L'autorité a 2 mois pour vous répondre. Donc là, on est sur des délais extrêmement courts par rapport à ce qui était pratiqué jusque-là. Donc c'est un point très positif. Donc 2 mois pour vous répondre. Et pareil, pas de nouvelles, mauvaises nouvelles. Le silence vaut refus. Ensuite, vous faites vérifier, donc votre projet est parti, il a été validé. Vous demandez des vérifications pour que vos réductions d'émissions soient effectivement validées. Donc, des auditeurs seront accrédités par l'autorité. Ils vous remettront un rapport de suivi et ce sera à vous de payer ces auditeurs. Alors, dans cet encart, vous avez les 3 options pour la vérification des rabais. Vous pouvez décider de ne pas vérifier les réductions d'émissions. À ce moment-là, vous pouvez avoir 2 fois moins, 50%, 2 fois moins de réduction d'émissions que ce que vous attendiez. Vous pouvez avoir une vérification aléatoire. À ce moment-là, vous avez 20 à 50% d'abattement sur vos réductions d'émissions. Et si vous prenez la décision de vérifier annuellement, c'est-à-dire systématiquement, vos réductions d'émissions, à ce moment-là, vous n'avez pas de rabais qui est appliqué sur vos réductions d'émissions. On peut imaginer que si vous avez un acheteur de crédit carbone, pardon, 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 si vous avez un acheteur de réduction d'émissions qui s'engage au moment de la validation de votre projet à vous acheter vos unités de réduction d'émissions, on peut imaginer que ce porteur de projet puisse vous demander une vérification systématique. Une fois votre projet inscrit, c'est comme la méthode, elle sera publiée au sein d'un fichier public, donc accessible à tous pour aller voir quel projet existe. Plusieurs types de réductions d'émissions, les réductions d'émissions vérifiées, les réductions d'émissions anticipées. Anticipées, elles sont valables pour les projets de reboisement, de reforestation, et donc des réductions d'émissions qui auront lieu dans les années à venir. Donc là, c'est typiquement pour les projets forestiers. Et vous avez un aspect assez expérimental et assez nouveau qui sont les réductions empreintes, qui sont en fait les réductions du scope 3 de votre projet, donc des réductions indirectes de votre projet. Si je vous donne un exemple, si vous décidez de remplacer un intrant chimique sur votre champ de culture agricole par du compost, vous allez calculer les réductions d'émissions qui auront lieu sur votre sol. Voilà, vous n'allez pas calculer, alors vous allez les calculer, mais vous n'allez pas comptabiliser les réductions d'empreintes. Les réductions empreintes, en tout cas, seront le fait de la non-production des intrants chimiques, voilà, donc ceux que vous n'aurez pas utilisés. Donc les entreprises qui vont acheter ces réductions empreintes ne feront pas de compensation, mais feront plutôt de la contribution à la réduction d'émissions, ce qui est une nuance à apporter. Les critères d'éligibilité, j'ai bientôt terminé, sont ceux-ci. L'additionnalité, la transparence. Donc l'additionnalité, c'est valable pour n'importe quel projet de compensation. Il faut prouver que sans votre projet, il n'y aurait pas eu de réduction d'émissions. La transparence, eh bien, finalement, tous les projets seront en ligne sur le fichier et vous aurez une vérification. C'est le dernier point. Les réductions d'émissions seront vérifiables et vérifiées par un auditeur. Elles seront uniques, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas revendre deux fois la même unité. Et la période d'accréditation sera de 5 ans minimum. Donc, pas de one shot, pas possible de valider un projet sur 1 an. Cette période de 5 ans est potentiellement renouvelable et notamment dans le cadre des projets forestiers, puisqu'on est parfois sur des pas de temps de jusqu'à 30 ans. Donc, cette période d'accréditation de 5 ans incompressible est possiblement renouvelable. Les deux points importants, l'additionnalité et le scénario de référence. L'additionnalité est relativement simple. Il faut prouver que votre projet va au-delà de la pratique courante et au-delà des obligations légales. Vous faites de la rénovation de bâtiments. Il faut prouver que votre bâtiment ira au-delà de la RT 2020, qui est en cours de finalisation, il me semble. Un acteur du reconditionnement de smartphones ou un acteur du réemploi, de la recyclerie, doit prouver finalement que sa part de marché est minoritaire en France.
Je prends l'exemple du reconditionnement de smartphones. Aujourd'hui, vous avez moins de 5% des particuliers qui achètent un smartphone reconditionné. On sait à peu près qu'un smartphone reconditionné, c'est 90% de CO2 en moins par rapport à un nouveau smartphone. Donc là, vous avez bien une additionnalité du projet, voilà, qui dit que sans votre activité, il n'y aurait pas de réduction d'émissions. Et votre scénario de référence, bah, il est assez simple. Il est soit à l'échelle du projet, soit à l'échelle globale. Typiquement, dans ce projet, pour un bâtiment, par exemple, qui est rénové, le scénario de référence, c'est le bâtiment non rénové. Pour le projet de reconditionnement de smartphone, le scénario de référence, c'est l'achat d'un nouveau smartphone versus un smartphone reconditionné. Voilà. Donc ça, c'est à vous de définir ce scénario de référence. Il est accepté ou non par l'autorité. Et évidemment, l'additionnalité doit être prouvée. Je réponds peut-être à une question qui se balade dans vos têtes. L'additionnalité, elle peut être relativement simple à prouver, c'est-à-dire que avec la vente de vos réductions d'émissions, vous allez permettre à votre projet de se développer. Et donc, il faut essayer finalement de flécher dans votre business model, de flécher les revenus carbone, donc les revenus issus de la vente des réductions d'émissions, vers une activité qui va vous permettre d'étendre l'activité du projet et de réduire plus d'émissions de CO2. Voilà. J'ai terminé. Je crois qu'il nous reste, oui, tout juste 7 minutes pour vos questions. En tout cas, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Je vous écoute. En tout cas, je vous lis par chat. À vous la parole. Pas de questions pour l'instant. Oui, pardon, les questions sont là. Pourquoi les projets de production d'énergie ne sont-ils pas acceptés? Il existe de bon nombre de mécanismes incitatifs pour réduire les émissions liées à la production d'énergie, d'efficacité énergétique, de maîtrise de l'énergie. La production d'énergie, surtout, est sous couvert en fait du marché européen du carbone. Donc, les producteurs d'énergie sont concernés par la contrainte carbone du marché européen du carbone. Voilà. Pourquoi les projets de voilà, ok, donc ça c'est bon. Merci pour cette présentation. Merci à vous d'avoir écouté. N'y a-t-il pas un risque de double comptage avec le secteur de la production d'énergie sous ITS? Si effectivement il y a un projet. Alors moi je vais être très franc avec ce sujet du double compte. L'autorité va veiller à diminuer l'effet d'aubaine et à veiller au double compte. C'est pour ça que pour l'instant, les projets de réduction de production d'énergie et d'efficacité énergétique qui ne dépasseraient pas le cadre réglementaire, en fait, les contraintes réglementaires ne seront pas acceptées. Donc finalement, le risque de double compte est assez minime dans le sens où l'additionnalité vous doit prouver que vous allez au-delà de la contrainte réglementaire. Et moi, très franchement, le risque de double compte, il est relativement moindre, relativement faible. Et finalement, ce qui compte dans tout ça, c'est d'activer les acteurs du territoire dans une dynamique de réduction des émissions, qui n'est pas que monocritère carbone, mais qui, la plupart du temps, vous permettent de faire de la sensibilisation et d'apporter des co-bénéfices à bon nombre d'acteurs autour. Donc c'est ce qu'on appelle les externalités négatives sur la production d'emplois, sur la protection de la biodiversité, etc. Donc, le risque de double compte, il existe, il est faible et surtout, il est pris en compte par l'autorité qui veille à ce qu'il n'y en ait pas trop. Voilà. Pas d'autres questions? Le périmètre exact du label vocal. Donc, le vocal sont des projets.
J'ai les projets pilotes qui sont pour l'instant en cours. Voilà, donc vous avez des projets de boisement, reboisement, d'amélioration des peuplements, tout simplement dans les forêts. Il faut savoir que vous avez 40% de la forêt française qui est détenue par des privés et la majorité de ces forêts font moins de 4 hectares et personne ne s'en occupe. Donc l'intérêt, c'est de gérer, d'améliorer en fait la gestion de ces forêts. Donc vous avez pas mal de projets vocaux qui portent là-dessus. Voilà, et vous avez des projets de boisement, reboisement. Je pense au projet de l'ARP Occitanie qui porte sur de la plantation de haies vivrières aussi, qui, voilà, qui porte sur ces projets-là vocaux. J'ai vent aussi d'un projet porté par Terre et Cité sur le plateau de Saclay, qui va travailler sur le stockage du carbone par les sols. Vous n'êtes pas sans savoir que le potentiel de stockage du carbone par les sols est énorme. Je vous renvoie à l'initiative 4 pour 1000, mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'une méthode soit acceptée, qu'elle soit valable et validée. Pourquoi les projets? Non, ça c'est déjà fait. Donc les projets de production d'énergie ne sont pas acceptés parce qu'ils sont déjà couverts par le marché européen du carbone. Il faut trouver un acheteur pour valider les réductions d'émissions. L'État va-t-il proposer une plateforme pour mettre en relation vendeur et acheteur? Merci S47, puisque c'est une proposition que j'ai faite directement à l'EDGEC. Cette plateforme serait en effet très intéressante. Je vais relayer votre proposition, puisque pour l'instant, la DGEC ne se fait pas trop de soucis sur l'émergence de projets. En revanche, elle se fait plus de soucis sur la demande. Je peux moi aujourd'hui témoigner, en étant chez Carbone 4, que la demande existe, notamment sur le territoire français, mais une plateforme de mise en relation vendeur-acheteur serait effectivement très pertinente. Oui, ah ben là, le site que je peux vous recommander est celui de Info Compensation Carbone, pour l'instant sur tout ce qui est compensation. Pour en savoir plus précisément sur le label bas carbone, pour l'instant, je suis l'unique point focal. Et voilà, dès que, de toute façon, idéalement, on reste en contact. Vous avez mon mail au début de la présentation. Donc, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, moi, je vous tiens au courant. Mais voilà, pour ce qu'il y a de mieux pour se tenir au courant sur la compensation carbone, c'est le site info-compensation-carbone.com. Oui, je réitère ma question. Quand pourrons-nous proposer une méthode d'eau et des projets de réduction sur des projets de bâtiments? A priori, dès que le référentiel sera officialisé et validé, c'est-à-dire le premier trimestre 2018, je suis personnellement très favorable au dépôt de méthodologie et de projets de réduction sur des secteurs qui dépassent celui de la forêt et celui de l'agriculture, et en l'occurrence sur des projets de bâtiments, notamment sur de la rénovation, puisqu'on a réellement des émissions évitées. C'est-à-dire que le scénario de référence est un bâtiment qui consomme énormément versus un bâtiment qui est rénové. Et je pense que toute source de revenus innovants comme celui que propose le label bas carbone sera le bienvenu pour soutenir ces projets-là et permettre leur diffusion. Voilà, donc réponse, premier trimestre 2018, a priori, si tout se passe bien. Les réductions de carbone pourront-elles servir pour les nouveaux secteurs sous quota pour compenser leurs émissions? Non. Pour l'instant, ce dispositif est franco-français. Les réductions d'émissions ne sont valables que pour les acteurs qui entrent dans une démarche de compensation volontaire de leurs émissions. Les acteurs sous plafond de quota d'émissions dans le cadre du marché européen du carbone ne pourront pas se prévaloir d'une compensation de leurs émissions via ce label. Et on me dit que la conférence va se terminer. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. J'espère vous avoir apporté aussi une information. Je reste à disposition. Je reste à disposition. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Vous étiez jusqu'à 40 sur cette conférence. Voilà, vous pourrez écrire directement à Marie
d'Agrion pour avoir des informations, qui me relayera ces infos. Et moi, je reste de toute façon dans le paysage, au premier plan sur ces questions. Merci à tous et bon après-midi. Au revoir.